You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Yeah, you got it. This time you won. Good luck, Gojo. Oh, I'm going to go outside. I think. Class is 4. Oh, good. Taipei, is it Taipei? Huangli. Huang이다. 괌, 야 이거는 이건 크다. 부산 분도 위주로 좀 드리면 될 것 같아요 내장. 오. 그런데 스노우의 밤에는 가장 좋은 기능 중에 하나가 실시간으로 적용되는 아이템. 나만디. 스노우의 기능이 어마무시하죠 진짜로. 원판입니다. 빵 넘어 어디? 저한테 채팅으로 보내주시면 치킨 다섯 마리를 뿌리겠습니다 시청자분들. 러이조가 상해요. 아, 급식이야? 와 센스! 내가 어떻게 상담해? 초점을 따고 실시간으로 친구들이랑 가족들이랑 이제 사진 보내주고 다시 함께 꾸미면 더욱더 이쁜 스노우웨. 스노우웨. Voilà, tel était le mot, bien sûr. De la publicité. En tout cas, gros big up à Africa de nous permettre de faire cette compétition et gros big up à vous aussi qui le permettez, comme on le disait, enfin comme je le disais tout à l'heure. Voilà, on a réussi à signer hier, mais la GSL, comme d'habitude, c'est une compétition qui demande des thunes, des droits de diffusion. Donc voilà, grâce à vos subs, grâce à vos donations, ça nous permet de faire ça. Donc voilà, si vous kiffez ce contenu, n'hésitez pas à voilà, continuer à participer pour qu'on puisse continuer à le faire tout simplement. Parce que ça coûte ma thune, pinaise. Est-ce qu'on peut avoir les prix environ de droits ou est-ce que c'est top secret? C'est top secret. C'est top secret, très bien. Mais c'est ma thune. C'est vrai. C'est ma thune. Non, puis c'est les contrats ou en mode... Tu fais un pet de travers, genre si tu donnes le replay à une autre personne qu'une personne concernée par le cas, c'est genre coup de tu tête, fais, ouais, balayette, coup de tête, manchette. Non, c'est le genre de truc que tu déconne pas. Ok. Mais c'est beaucoup. Ok. Alors du coup, on va attaquer sur ce dernier match de cette journée de GSL groupe E. Ça va donc être l'Inok contre le bon Cure. C'est exactement ça, l'Inok. Un match qui va être très serré. Oh oui, c'était tellement cool déjà ce qu'on a eu avec le l'Inok contre Jack G. Mais Jack G, toi qui manquais d'un truc pour pouvoir affronter l'Inok sur un pied d'égalité. La Cure semble avoir les armes au vu de ce qu'il a montré face à Dark. Et c'est donc un truc qui n'est pas à espérer puisque je pense que c'est vraiment ce qu'on va avoir. Un match serré entre les deux joueurs qui, du Zerg ou du Terran, va l'emporter. L'Inok, 17e saison de GSL. Le vétéran. C'est ça, c'est le vétéran. Je crois que... Est-ce que l'Oziram n'a pas une de moins que l'Inok? Je me pose la question. Alors là... Parce qu'avec l'Oziram, ce sont les deux joueurs qui ont cumulé le plus de GSL. Genre pour sûr et de très loin. Jack G doit pas être loin derrière non plus. Mais l'Inok doit être le match Master Chief. En tout cas, ici, en bas à gauche, c'est qui? L'Inok. Allez, l'air concentré. Bon, j'essaie de chercher l'information sur les participations de l'Ozira. Alors, je crois qu'il faut les compter manuellement. Hein. Ok. Et bien sûr, Cure. Cure. Parce que je les ai pas trouvés sur les QPT en normal, donc j'avais dû regarder saison par saison. Tac, okay. Tac. Ouais, ça va être compliqué à faire en live. Ça part sur un échec, du coup. Ça part sur un échec. Alors. Non, mais pour demain, je regarderai quand même. Mm-hmm. Parce que demain, il y aura l'Ozira. Mm-hmm. Et du coup, ça sera l'occasion de vérifier. Qui est le plus vieux des vieux. C'est ça. En cette participation GSL. Mm-hmm. Dernière compétition coréenne. C'est ça. Il n'y a plus de Kespa non plus. Bon, la Kespa existe, mais elle ne fourre plus vraiment son nez du coup. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de Pro League, tout ça quoi. Oh, ouais. Ok. Je ne sais pas si elle a vraiment son mot à dire avec la GSL. La GSL et la Kespa étaient déjà deux entités bien distinctes. Ok. Parce que la GSL arrivait sur StarCraft 2 alors que la Kespa ne s'y était pas encore trop attardée. Donc voilà. Le son du jeu, s'il vous plaît. On demande le son du jeu en régie. Le bouton. Fantastique. Merci. Oh, what the fuck.
Armor qui fait pleuvoir l'argent, qui fait pleuvoir du sport money. Ah, ça fait plaisir, gros, merci. C'est la fête. Tournée de kebab pour le coup. Voilà, parce que voilà, hein, c'est pas pour vous bullshit, ça coûte extrêmement cher ce genre de compétition. Alors c'est sûr, maintenant il y a plus la Star League et la Pro League qui étaient d'autres compétitions dans lesquelles les droits se monétisent. Mais voilà, ça coûte des thunes de produire, ça coûte des thunes de récupérer les droits. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir continuer à vous fournir ce contenu. Donc merci à vous et gros big up à toi Armor. Exactamente. Mais qui poutre ? Ah ouais, on peine d'autres mieux. Hein. Pendant qu'on a une première pression Reaper qui va arriver, 4 Zergling à la défense. Bonne micro là. Non mais je pense que alors si tu es Zerglingog va te récompenser avec un Banning Trap pour fêter ça, je pense. Voilà. Ouais. Mec. Il a envoyé un peu du feu là-dessus sur les dernières games. La Cowin. Mais avec une gestion moindre des mines par rapport à Dark tout à l'heure contre Cure. Il était là le truc. Certes. Donc, face à un Cure devant supérieur à Jugji, théoriquement, aurait-on des accidents de mine en prescription possible. Alors du coup, est-ce qu'on peut appliquer la transitivité sur les accidents de mine? Là, je pense que oui. Je pense que je si, l'accident que oui, de, si l'accident de mine n'est pas aléatoire, mm-hmm. Peut-être. La transitivité sur l'accident de mine, là, me paraît une source plus sûre que la transitivité tout court. Très bien. Voilà. Donc on va voir si cette théorie sera vérifiée ou non. Parce qu'on n'est pas sur un face muta. Ah, il est parti chercher son tir... Il a annulé le speed over. Et il là, a c'est tir 3 quand tu upgrades ton archery. Ah non, c'est tir 2 là. Tier 1, passe au tier 2. Okay. Tier 3, c'est plus tard. C'est le truc qui est ultra, enfin pour faire des ultras. C'est loin. En gros, ça... Muta, c'est tier 2 comme unité. Ouais, ça te choque, c'est ça, hein. Tu vois arriver trop rapidement. Bah ouais, je les vois arriver vite et puis je me dis, bah, c'est une unité très mobile qui frappe en l'air, qui frappe au sol, qui fait un peu la cuisine et le café en même temps. C'est ça, mais faut savoir que le tier 2 tu le fais très vite, mm-hmm. Mais l'aiguille, ça coûte des thunes et c'est sacrément lent. 200. Ouais mon gars, ouais. Ça c'est rush. J'avoue. Voilà. J'avoue. Pendant qu'on a un Viking qui est en train de d'interdire l'accès au map contrôle Zerg à la base principale pour permettre à ce joueur Terran de s'exprimer tranquillement. Mm-hmm. Il va falloir aller scouter quand même, hein, du côté de Cure si t'as pas envie de te prendre le muta en mode coquin. Ouais, mais en fait le truc cool c'est qu'il confirme le starport, il annule le speedover, il fait le tier 2 parce que si y a une B3 t'es mort, si y a un starport ça se passe. Je retire là, je suis en train de prendre des notes. J'ai oublié mon calepin, mais en vrai, il faudrait que je regarde ça, parce que c'est des trucs cool là qui se passent. Explosions. Allez, attention à la confrontation. C'est pas trop mal là, les lions qui viennent de tomber. Ouais. Là, c'est pas parce qu'il nous propose d'inoc pour l'instant. Par contre, à ce Viking, faut envoyer la queen. Deux overlords qui viennent d'être sacrifiés. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Qu'est-ce que tu fais? Ah, elle ignore complètement la queen. Mmh. Bon, bah voilà. Voilà. Et on pose la B3, on pose la Spire. Et la question après, c'est comment la game va se goupiller, hein. Le fast muta qui est plus aussi percutant qu'il l'était à une époque. Et j'en suis le premier à trister parce que c'était quand même mon build order préféré. Maintenant, voilà. C'est dur. Ah, je comprends, c'est difficile. J'aimais bien faire jouer comme une vieille crapule. Faire justement les unités qui tapent au sol en l'air, qui rebondissent au tier 2. Voilà. C'est vrai que le face muta. Avec quoi tu réponds quand tu joues Terran, quand tu prends un face muta? Tu bourres sur la global. En fait, si t'as fait un build avec B3, genre t'as quasiment auto-win, je dirais. Enfin, genre tu vas mettre trop une grosse piquette économique au joueur Terran. Non, juste tu te contentes de pas trop subir de dommages sur les mutas et voilà. En fait, c'est assez compliqué. J'avoue qu'en tant que en tant que Zer, le truc qui me saoule le plus, c'est les mecs vraiment qui ont eu un build order greedy où là, je pense que c'est vraiment pas terrible. Mais c'est faut encaisser, donc faut bien splitter tes unités, mettre les bonnes tourelles lance-missiles, poser ta B3, hein, évite de se faire arnaquer par les run-by et identifier en fait quelle est la suite. Si le mec il grid sur les drones ou sur ou s'il te fait beaucoup d'unités au sol, et s'il grid, bah tu vas le chercher, et sinon tu joues beaucoup plus défensif.
Là, tu vois, il y a une contre-attaque pour gagner du temps, alors qu'on n'a pas spécialement mis beaucoup de drones. Ça me paraît pas fou, en fait, pour l'Inok. Mm-hmm. Ah, par contre, ça, si. Ça, oh, ça, par contre... Oh, il a pas annulé. Les 400 minerais dans la poche. Oh, mon Dieu. C'est bien fait, et c'est pas fini, j'ai l'impression. Il y a quand même une tourelle anti-aérienne, là. Il y a les armureries peut-être à aller choper. Mm-hmm. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Mais, en tout cas, cette base qui saute... Et là, c'était quand même un bon point. Ouais. Et là, il y a le réflexe du muta abuseur. Hein. Il est en train de refaire des mutaliches plutôt que de lancer des cafards pour défendre. Je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais en tout cas, il devait penser que c'était Mecha alors que non, c'est Nabio. Donc il ajoute un Banning Nest. C'est la panique. On est pris de court, on est pris de vitesse là sur ce timing Marine et Lyon. Ouais, les coups qui doivent reculer. Oh lolo. Alors, Kling Muta, est-ce que ça peut marcher? Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ça passe. Derrière, il y a un deuxième groupe qui arrive. Deux marines se steamer. Pied d'égalité, j'ai envie de dire, sur cette prise de fight. Ouais, et là, faut faire demi-tour, hein. Tout simplement. Il y a eu un échange avec le joueur Zerg, on l'empêchait d'aller trop haut. Et même s'il y a le 1, ça reste quand même dangereux. Et quoique, en fait, le fait qu'il ait récupéré tous les points de vie sur ses marines, fait qu'il y a une bonne masse ici. Et il vient à sticker cette hatch. Ah oui, oh bah elle va briller, elle vient de tomber, c'est pas mal ça. Par contre derrière, est-ce qu'on va avoir le temps de DPS? J'en suis pas sûr. Oh là 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 là, c'est pas mal. Oh là là. Oh, les marines ont fait mal, hein. Après il reste suffisamment de DPS pour aller récupérer les medivac, je pense. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de B3 pendant ce temps-là pour le jour terrain, donc il y a quand même un reset. Ce qui, en fait, là où il est vraiment dans la merde l'Inok alors qu'il aurait pu être bien, c'est qu'il a pas d'upgrade. Ah, le cake. Cake. Alors que s'il avait... Il juste d'être lancé d'ailleurs. Ah, puis du coup il fait du roach. Quitte à être dans les mauvaises upgrades, autant faire du roach. Très bien. C'est quoi la deuxième upgrade là qu'il a lancé? Enfin, pas celle-ci, celle le plus à droite. Défense numéro 2. D'accord. C'est, tu vois, t'as des couleurs en fait pour te repérer sur les niveaux. En violet, c'est le 2. T'as le vert jaune, c'est 1. Violet, c'est 2. Et rouge, c'est 3. Après, le symbole était un peu obscur. Ah là, c'est un... on dirait un caillou. En fait, c'est un dos de... je sais pas, en fait. Ah, tu joues pas Zerg, t'es débutant, je te jure que celui-ci, tu l'inventes pas. je suis pas devin. Ouais, c'est ok. Avant, il n'y avait pas de couleur sur les icônes, t'es vraiment là en mode. C'est pas un peu ambitieux, ça. Ça va, les mutas qui sont restés en vie, on va pouvoir régénérer. Mais ça, en même temps, tu sais pas ce que c'est quoi, c'est une épaule, c'est un casque? Ouais, j'avoue, c'est bizarre. C'est peut-être un bouclier un peu. C'est peut-être un bouclier. C'est un genou. Enfin bon, c'est le 1. Protège-genou de... Non, c'est le 2-2. Ouais. Et c'est même pas le même code couleur entre les races. Mais ça bait. Non, mais justement. C'est pas clair. Et le pire, c'est Protoss. Alors là, Protoss, jamais rien compris. Oh. Ah, 2-2 qui va se terminer. C'est pas mal là, le timing d'agression de l'Inok. Juste avant la fin des upgrades, est-ce qu'on va récupérer, réussir à choper ce dépôt? C'est un non. C'est un non, mais on empêche toujours la pause de la B3 du joueur Terran qui se fait étouffer économiquement. Et en fait, je suis pas sûr qu'il ait compris que ça soit ses Road Travagers en face. Oula, oula, oula. Car sinon, tu serais en train de produire. Cette petite voix suave féminine en Terran qui te dit quand tu te fais attaquer, c'est mignon. Your Blaze Under Attack. Bon, allez, et quand même crispante, hein. Ouais, là il fait des mythes des Hellbat, non c'est pas le plan pour jouer des Roach Ravager. Il se fait ramaquer de ouf. Ah, c'est bien ça. Ah, la mine, la mule pardon. Non, il l'aura pas, mais 3 sondes qui viennent d'être récupérées. Pas mal du tout. Et là, ouais, donc là la surprise elle va être chambée. Ouais, c'est ça. Pendant qu'on joue Nico en train de faire... Je sais pas ce qu'il... Qu'est-ce qui se passe? On dirait un jardin d'enfants. Ouais, à la régie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'étonnerait pas de voir des jouets traîner par terre, tu sais. Agression, ouais. Wallet Max Mister, 4 mois de resub. Bien joué, bro. Eh oui. Bon, là, ça va être la grosse concave de Roach Ravager. Et le terrain, tu vas être en mode. Oh shit. Il y a 200 pas pro Roach Ravager. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh là, t'es clairement archi déçu quand tu t'appelles Cure. Oh ouais. Oh les billes. Oh, y a pas oh les billes. La mort qui vient du ciel. Et qui se répand y a même des sur ces Marines qui doivent absolument reculer. Le pack Zerg qui fait toujours très peur. Oh là là, deuxième sac qui passe. De ouf. Attention. On se la prend, on prend sa propre bille.
Ah, cette game, j'y crois pas. Oh, le timing. Tellement malin, Dinoc. Tellement malin. C'est vrai que tu sais aussi, tu vois, hein, les 16 participations au GSL, il y a un moment donné, ça paye hein, dans l'expérience. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça genre, ce build était complètement improbable. Hein. Oh là là. Il a rien pidé. Cure n'a pas compris que c'était Roach Ravager avant qu'il y ait le 200 pop chez Dinoc. Ouais, là, c'est... C'était improbable. C'est hyper. C'est brillant. Ouais, ouais, non, mais c'est juste brillant. Inconcevable, quoi. Mais il y a tellement une défense à l'arrache. Alors que le mec partait Roach, il a quand même défendu avec Lynx et deux pauvres Bane. Du coup, l'autre s'est dit c'est Lynx Bane, alors qu'en fait c'était Roach Ravager. Là, c'est le dégoût. En fait, le truc, je sais même pas si c'était le plan de base de l'Inok ou s'il pensait que c'était Mecha. J'ai aucune idée de. Ouais, comment cette game en est arrivée là? Ah, c'est l'appalage des grands joueurs, hein, arriver à avoir le bon feeling au bon moment. Mais là, clairement, c'est ce qu'il a eu et il conserve le joueur Terran sur deux bases. C'est ça, t'étais là, t'en... Ouais, c'est le bon feeling des bons joueurs au bon moment. Et ça se trouve, le mec, il a juste misclick l'upgrade et du coup, il a fait. <C'est> dit... Oh, allez, je fais les roaches. Allez, j'ai envie, là, c'est la fête. Allez. Non, mais je suis d'accord avec toi, il a eu un feeling incroyable sur cette partie. Ah non, mais cure le malaise. Non, mais le mec produisait des Hellbath. C'est le truc pour tanker des Lynx. Ça fait que dalle face à des cafards et des Ravagers. Ah oui, il s'est fait ouvrir. Et jusqu'à la dernière seconde, quoi. Après, c'est pas fini encore. Même si, bon, là, il y a 80 d'Arbit Pop d'écart. Ouais, c'est ça. C'est pas fini, mais. C'est pas sur N. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il n'y a pas écrit victoire pour l'Inok, on peut encore y croire. Oh là, les bits qui tombent. Ouais, ok, bon, c'est le petit village des irréductibles gaulois. Et malgré leur masse de potions magiques, là, les Terran ne vont pas pouvoir se timer indéfiniment. Et bon, ils vont quand même tomber en rade. Hein. Ah, il y a moyen. Oh là là. Ah, c'est pas mal ça ce qu'ils font là. Oh, allez, vas-y avec les civils. Oh, les mutas, pas trop les exposés. Oh là, j'attends la connexion de Banning. Elle est là. Ouh, c'est bon ça. L'Ouest a pris énormément de dégâts. On a la moitié d'un mec qui est en train de cliquer la base pour l'instant là. Il gagne la faille alors qu'il y a la moitié de la pop. Oh là là, il se bute. Oh, il fait n'importe quoi. Ah, c'est le contrôle. C'est le YOLO contrôle. C'est bon. On gère. Allez. La cure est à poil. Oh là. Oh, la cure, il se prend une petite salve de mille. Gigi. Oh, l'arnaque. Ton univers impitoyable. Oui. Inok vainqueur. Propre. Ah, mais complètement. Ah, le truc de fou, quoi. Il est dégoûté. Il est dans la blase le plus total. Le sel transpire de sa personne. C'est marrant les différences culturelles dans la rage. Tu vois, en Corée, on voit un joueur qui fait une petite moue un peu, peu triste de la bouche. Il est là, oh là là, il est trop salé hein. En Europe, tu regardes les Twitter des joueurs pros, tu t'envoies tartine de shitstorm sur tartine de shitstorm. J'avoue. Bon. Allez, pour Cure, c'est pas terminé encore. On a vu que le joueur en avait sous la pédale. Ouais, là on relève les manches. Ce qui est un peu réconfortant quand même dans cette histoire dans le BO, c'est que là, l'Inok gagne sa game, comme tu as dit, sur une arnaque. C'est pas comme sur le scénario contre Jackie, par exemple, où on sentait vraiment un écart de niveau. Ouais. Là, pour Cure, s'il arrive à trouver le bon plan de jeu, à conserver un scouting régulier, qui se refait pas arnaquer, il a toutes les armes pour arriver à remonter. Ah, mais oui. Et je pense qu'il le sait. Ah bah la game, elle était pour lui, quoi. En haut à droite, le voleur. Linok. Concentré, et bien entendu, du bon Linok. Et en bas à gauche, il est Terran. Jenner Green Wings, cure. Et voilà, pour Air Green Wings, bien sûr. Et là, c'était clairement le hold-up, le voleur. Même s'il est gagné au skill, c'est le principe. Le mec, il a braqué la banque et pas vu, pas pris, quoi. Ouais, c'est à aucun moment, cette game était légitime pour lui. C'est juste qu'il a fait un truc, il s'est pas fait capter, c'est pas fait prendre, quoi. Ah là là. Incroyable. Franchement... aucun sens,
Mais incroyable. Non, mais quand tu dis qu'à un moment, l'autre, il se fait bourrer la B3, il y a 20 marines derrière sa ligne de minerai, il est obligé de prendre tous ses drones, deux à clic avec Queen's Yearling pour défoncer les marines qui étaient derrière un pack de minerai parce qu'il n'y avait juste plus rien, il n'y avait aucun espoir. Et deux minutes après, il a 200 de pop de Roach Ravager et il atomiscure. Genre... Du génie. Du génie. Du talent. Mmh. Et il y a quand j'ai celle-là qu'on voit ça. Hein. Et Underdogs peut-être aussi. Les petites cheese bien senties. Oh oui, oui. D'un autre calibre. Mais il hésite quand même. Le dominant qui arrive fait. Hello, le Ripperino. Il est là. Il est là, c'est bon. Pas de panique. Et là, tu t'avances et là, tu paniques en fait. Parce que tu vois qu'il y a un marine en production dans cette axe. Parce qu'elle clignote. Mmh. Et du coup, tu sais quoi ? Qu'est-ce que tu sais ? Coca Build ? Que c'est pas Coca Build justement. Ah, c'est pas Coca Build. Quand tu fais un Coca Build. Coca Build, c'est quoi ? C'est double rax facto ? C'est ça. En fait, tu fais double rax, mais surtout, après ton premier Reaper, tu fais immédiatement un réacteur. Oui, c'est vrai. Ce qui pourrait être le cas si tu veux faire le réacteur pour une usine. Mais déjà, c'est pas Coca Build. Et on voudrait le sang du jeu de la régie pendant qu'on est en train de jouer encore avec son caca. Merci. Fantastique. On est obligé de demander quand même. Non mais c'est bien, ça donne des excuses pour leur envoyer des fions. Ouais c'est ça, on va leur envoyer des trucs. Et ça j'aime bien ça. On va leur envoyer le pilote. Le pilote il doit faire, il doit faire sacrément mal. Ah oui, je pense que lui tu te prends dans l'œil là, t'es pas bien ouais. Ouais non, le pylône il est... Il est aiguisé mec. Ouais c'est ça. Alors, c'est moyen de tuer quelqu'un avec. Alors j'ai beau avoir beaucoup de respect pour Blizzard, je pense que le pylône ça va être le goodie le plus mauvais du shop. Ah ouais? En fait, quand je l'ai vu, je me dis, le truc il est trop hype, ça va être trop bien. Et en vrai, la réalisation elle est immonde. Elle est sacrée. Alors peut-être qu'il y en a plusieurs versions et que ça c'était un prototype, mais elle est sacrément immonde. C'est le truc cheap, tu vois que c'est peint à la main, il y a des endroits où t'as même pas de peinture, donc quand tu l'allumes, tu vois toute la dégueulasserie du truc. C'est ignoble. Alors que tu vois, les peluches elles sont vraiment bien faites. Ouais, les peluches elles sont cool, ouais. Les t-shirts ils sont sacrément stylés. J'en ai acheté un paquet, mais alors le pylône. Waouh! Ça fait. D'où il sort? Suppositoire leader price, clairement. Voilà. Tout à fait sympathique. Pendant qu'on a eu du coup une petite pression là, Banningness qui est sorti. Ah bon, Linoc qui anticipe la Bio Ball. Et oui. Bah, à raison en fait, hein, au vu de ce qu'il a scouté tout à l'heure. Il y a de l'Elion quand même. Banning contre l'Elion, c'est pas fou hein, si je m'abuse. Alors, oui, non. Tant que t'as pas le speed en fait, tu vas rarement arriver au contact. Mais si tu y arrives, t'as bonus dommage dessus. Donc tu les fioles. Ok. Mais faut arriver au contact. Ouais. Et c'est surtout dans l'idée d'anticiper peut-être un éventuel push et le bat. Et de toute façon, comme tu l'as mentionné, il a capté que c'était bio, donc il fallait partir sur bending. Ouais, dans tous mais c'est sûr, en fait, si le mec a fait fou les lions, tu vas pas défendre avec des bending. Mais si tu mets ta bending dans ta rampe, le mec la montera jamais. Enfin, ou s'il la monte, ça va mal se passer pour lui. Ouais. Mais il y a peut-être le bon suicide, nice, c'est Simon. 882, sacré Simon. Toujours plus gros. Simon. Alors, Viking. On va aller que pour cet Overlord. Il y a déjà tué deux alors qu'il y avait la vitesse. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une game qui a pas m'instruit beaucoup. Parce que là, on est sur de la méta coréenne en fait. Là, il n'y a pas de Coca build. Ils font tous le même build order avec Elion, la B3 Delay, le Starport, le Viking. C'est pour ça qu'ils font Speedover. C'est que Speedover, ça te coûte cher, ça te sert pas à grand chose. Si vraiment t'es au taquet sur la prise d'info. Mais vu que les gars, ils font tous Viking, bah autant faire Speedover. Ça t'évite de perdre tous tes trucs quoi. Ouais, clairement. D'ailleurs, comment est-ce que je te l'explique la disparition du Coca Build dans ce matchup? Alors, quel est le changement dans les patchs qui a fait que c'est arrivé là? En fait, c'est ultra simple. C'est genre, le Coca Build, tu sais, à la seconde près quand le mec il arrive, et tu peux pas en dévier. Ouh! Et tu peux pas en dévier. Alors que là, tu vois, t'as toujours un truc, le libérateur il pourrait limite arriver là pour l'arnaque, les lions, comment est-ce que ça va se goupiller. Le Coca Build, si tu sais exactement où le mec il arrive, tu te prépares toujours à la même chose et il y a un moment où ça faiblit très très vite ce genre de build. En fait, c'est juste une question de mode, c'est pas un changement intrinsèque au jeu. Oh, t'as un peu les. Ouais, non, c'est pas lié à un nerf du marine ou ce genre de truc. Mais là, oh mon dieu! Oh non, le wall! Oh non! Ah, il a ouvert les portes! Oh, quelle erreur, mon dieu! Bon, alors là, Mais hey, les lures sont au-delà de la rampe, hein!
C'est un échec en fait, c'est un méga échec pour Enoch. Ce genre de timing en fait, soit il fonctionne avec le speed Dane et t'arrives, tu burst tout, tu vas très très vite, tu rattrapes les lions. Sinon, eh ben faut tuer les lions avant. C'est le mec, tu l'attends au milieu de map, tu le chopes et après. Là il a eu trop de temps pour se préparer. Ça c'est sacrément stylé faire le bureau. Mais trop tard, il y a le libérateur. Avec le bureau, genre tu enfouis un Zerling sous ses bases. Oh et puis derrière il y a ça. Ah ça c'est gênant. Ça c'est gênant. Après il y a le wall quand même qui a craqué. C'est vrai. Ce qui délaye un peu la production de cure. Le dépôt c'est quoi? C'est 100 minerais? Oui. Oui. Oui, donc c'est pas forcément un trait qui est super cost effectif. Après, bon, ça. C'est, ça l'emmerde sur la récolte. Ça l'emmerde un peu, ouais, ça l'emmerde un peu. Non, parce que ça, c'est l'emblée qui. Alors, je disais 40 bending, 50 links pour tuer des dépôts. Bon. Bon. C'est mathématiquement, c'est pas terrible. Non, non, mais en vrai, c'est pas. Tu tues les dépôts. Tu le forces à lever la B3, donc émule pas. Tu forces à lever la B2, donc émule pas. Elle ne récolte pas. Tu le tues quand même un petit peu de population. Et pendant ce temps-là, t'as foutu, t'as saturé tes trois bases. Donc ouais, non, non, mais c'est quand même rentable. Et comme tu l'as dit, enfin, ne serait-ce que tu es dépôt des fois, c'est le truc le plus con, mais tu supply block le type. Ouais. Donc le mec, il a beau avoir des thunes, tu le bloques pendant 2 minutes et tu gagnes trop. Ouais, clairement, déjà. Clairement. Ah, et du coup, Cure qui décide d'avancer sa B3 en position offensive, comme tu disais tout à l'heure. En contrôlant la Xel'Naga, c'est un choix qui est assez intéressant. Ah, sur cette carte, ça fonctionne très bien hein, dans le match-up. Il faut savoir jouer agressif. Ouais, effectivement. Alors, le bouclier de combat qui va se terminer. Avec le plus 1 d'attaque également. On a posé B4 du côté de l'Inok. Ouais. Ah, le libérateur qui va être géré. Ah, on va récupérer. Voilà, ça va. C'est 2 sondes. Ah, 4 sondes quand même. Ouais. Bon. Quand même. On a le libérateur qui. Enfin, les libérateurs. Ah oui, oui. Oh là là. Un deuxième. Ah le viking qui se fait plaisir. C'est pas possible. Bah le multitasking là qui fait beaucoup ah de bien. Ouais. Non mais je... Cure c'est très très malin ce qu'il propose. C'est quoi ce match? Il a tué Mastron. Le mec il a peur à cause d'un... Bah je pense qu'il a un peu paniqué. Oh il est tué. Il y a eu un petit Ah il a fait ça à va. Côté du pot. Il a rien perdu là-dessus. Ouais Lino qui se fait un peu avoir là. Sur ce multitasking, triple phase d'agression. Bon ouais, ça va ouais. C'est 8 sondes, c'est pas non plus la catastrophe mais ça c'est le genre de comment dire d'événement qui psychologiquement dans ton match ça peut te faire perdre le rythme en fait. Te ah dire là ouais. Tu vois c'est un peu le petit faux pas que tu fais dans ton marathon qui en soi te fait pas perdre beaucoup de temps mais tu doutes tu vois. Je suis d'accord avec toi. Ça t'énerve. Ça te... Et là les Elbats qui tombent très 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 bien. Et cette fois-ci, il n'y a pas la blague d'avoir du Roach Ravager. Oh là 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 là, le split est... Oh, il cherche même pas. Oh, le split était parfait. Non, il a douté. En fait, tu... dans la méta, quand tu joues Link's Bane... Ah, on est déçu. Quand tu joues Link's Bane Muta, tu joues au sacrifice. En mode, tu sais, le mec, il a des mines, c'est ultra dangereux. Tu vas mettre 5 mines, tu vas balancer 5 Bane Link pour tuer 2 mines. C'est juste pas rentable. Mais si tu le fais pas, tu vas perdre... Enfin, tu risques de te faire défoncer. Donc tu fais des échanges comme ça où tu es moins rentable, mais du coup pour compenser tu cherches à avoir plus d'écho. Mmh. Et si tu perds 8 drones, c'est les 8 drones qui font que normalement tu es en avance, tu as cette petite avance niveau écho par rapport au joueur Terran, qui là du coup il ne l'a pas et qui doit remplacer les drones qui perd. Et ça plus ça fait que si le Terran te lance un timing comme il l'a fait là en mode hyper fin, bien exécuté, et bah il te manque juste la petite masse qui fait que... Ou si là en fait t'as le speed bend et que t'as je sais pas 10 de pop de plus, tu prends tes 8 premières bending, tu les envoies dans l'Elbat en ultra pas rentable et tu t'en fous parce que t'en as 8 autres derrière qui sont en backup. Alors que là elle n'était pas là parce que y avait souci de chain. Et du coup on revient à égalité dans ce BO3. Oui. Qui partira du coup en 3 games entre Linok et Cure. C'est bien, on a eu 2 scénarios de partie assez différents. Avec une première game un peu plus longue et qui se base sur l'arnaque contre une deuxième game vraiment très très bien contrôlée par un Cure, plein de créativité. C'est cela. Ah, Inok qui souffle un petit coup là. Moi je vais le faire. Ça, la couche de fond de teint qu'ils ont me fera halluciner à chaque fois, je crois. Bah alors après, c'est parce qu'ils sont en studio de télé. Oui, oui, je sais bien, je sais bien.
Bah, là aussi, ça souffle beaucoup même. Hein. Oh là là. Ouais, c'est en mode. On décompresse. Là, tu rentres dans une game mode. Alors, je joue ma place en GSL. Oui, top, ouais, sinon c'est ça, je ouais. dégage. Et à tout moment, je peux être bien dans la game. Je traverse la carte et là. POM ! J'ai 30 parines qui explosent parce que j'ai foutu les pieds sur une mine. Tu te dis que tu joues. Tu vas jouer ta GSL sur ça. Hein. Et ça a un coup à somatiser, ça, c'est sûr. Effectivement, tu joues ta calibre de GSL. Et tu sais pourquoi il a soufflé, Enoch ? Non. Je me dis, à tout moment, je suis bien dans la game. J'avance. Et là, POM ! Et à tout moment, je me prends une trosie cafard du futur. Non, je me prends une mine et je perds toutes mes bails. Des deux, en fait, c'est ça qui est excitant et frustrant dans ce match-up, c'est que une game n'est jamais perdue ou n'est jamais gagnée. Ouais. Entre les balling trap ou les balling tout court et les mines, oh le cauchemar, le nombre de games que double pop d'avance, tu montes tête ta clique le mec, tu le défonces et en fait derrière son bâtiment il y a deux mines que tu vois pas parce qu'elles sont derrière le bâtiment et te shot toutes tes à droite, ah, ou tu ouais. trimbales sur la carte et t'as fini ton multitask muta et le mec il avait random planqué trois mines et tu passes dessus et là tu perds toutes tes mutas parce qu'elles ont stagué. En quel honneur! C'est ça. Et inversement. C'est le match-up du stress. C'est, ah, mais ouais, non, mais. De tous les instants. Il y a des moments où, bah, à l'inverse, le mec, t'es mort et tu fais, bon, allez, je me rends de Benning et le mec, il fout les pieds dessus. T'es là, voilà, oh, oui! Tu vas mourir! Et du coup, le mec est parano après, il se canne dans tous les sens. Bref. C'est un match-up qui est redevenu bien. Et on n'est plus en mode. Ah, oh, Turkey Mike, ah, oh, Fungal, Bill, ah, oh, Ultra Lishka, l'autre, il était droite comme un ouf, il peut rien faire. Non, ça, c'était sacrément l'air. Ah, j'imagine. Enfin, on retourne au kiff. Alors, du coup, bah, on part sur un opening macro des deux côtés. Hein. La B2 qui est sortie relativement tôt dans la partie. Boost métabolique, tout ce qu'on connaît hein, dorénavant dans ce match-up. Sur une carte, donc Overgrowth, qui... Alors qu'est-ce que t'en penses un petit peu de cette carte dans le match-up ? Oh mon dieu, elle est bien pour Zerg, je trouve. Ah ouais ? Alors en fait, elle est bien pour Zerg en early et après, elle pue la mort. Ben, déjà, t'as deux couloirs bien distincts, ce qui fait que le Terran peut difficilement péter le cri d'un côté ou de l'autre. T'as deux tourelles Xel'Naga qui te contrôlent excessivement bien en fait la trajectoire. Tu peux scouter assez facilement, tu peux run by, toi, bien. Et la B4, là, si le mec s'y engouffre, en fait, c'est le couloir de la mort. C'est le truc qui que les Terrans en font encore des cauchemars. Voilà. 5 ans après sa sortie, les Terrans font encore des cauchemars de ce couloir-là. Par contre, ceci dit, en late game sur Legacy of the Void, oh mon dieu, c'est la merde. C'est la merde, la merde, la merde, la merde, la merde, parce que t'as pas de base, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est une carte qui est assez petite, en fait. Hein, à partir du moment où tu dois poser B5, on dirait que t'es mort, quasiment. Okay. Parce que tu poses ta B4... Et ta B5, bah soit tu la mets là, lol. Soit tu la mets là, lol. Et t'es mort. Ah, c'est très explosif. Le Terran, il met une B4 devant, il a full mule et t'es beaucoup trop exposé. Donc faut gagner, faut prendre l'avantage vite. Et contrer. Tu peux poser B5, mais faut déjà avoir quasiment gagné la game, quoi. Ok. Sinon après, c'est infernal. Poussif. Pendant. On a une agression, enfin double Lion Reaper pour Cure. On prend l'info sur la B3. On prend la température en fait. On a du Libérateur qui est déjà sorti, Libérateur Viking. J'ai l'impression que le contrôle de l'espace aérien, c'est quand même quelque chose qui affectionne tout particulièrement Cure. On l'avait vu sur la game d'avant faire un bon travail avec ses Vikings sur la prise des Overlords. Il repart un peu sur les mêmes bases là, j'ai l'impression. Ah, c'est ça. On repart sur les mêmes. Sur les mêmes bases et. Ah merde, j'aurais dû regarder. Pourquoi est-ce qu'il a pas fait le speed over en fait ? Pourquoi il l'a annulé ? Pourquoi il a pas pris le gaz ? Quelle information a-t-il eu ? I don't know. Il a juste suicidé un over. Ouais. Et ça lui a suffi. En tout cas, on a le Banning Nest en préparation. Mais ouais, et pourtant, il y a le Viking, donc on perd les deux Ovi. Les Lions. Ouais, ça poke. Oh, les Lions, là, le splash damage qui fait du bien, mais qui va se faire ramasser par ce pack de Gling. Plutôt bien fait. Oh. Deux sont tout de même qui seront tombés au combat. Et supply block hein, pour l'Inok. Oui, le Viking qui a fait son boulot. C'est du kill gratuit hein, le Viking. Et on a vu tout à l'heure, il a fait la game en fait, il a pris les drones de la B3. L'horreur. Ah le gars, oh là 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 là. Ah il est même pas peine lancer le T2, il est là en mode bon on fait le bureau les gars.
Ah, comment? Eh ben voilà le scénario, hein. Le badling caché. Le Kinder surprise. Le truc effroyable. Ouais, mais c'est le Kinder avec le petit cochonnet rose rempli de nitro quand même, hein. Ouais. Et le truc planqué dans le jardin, hein, tu. C'est la spéciale mon chéri, je trouve. Et j'avoue, le truc qui te dégueulasse la bouche en. Encore quand t'es prévenu, ça va, mais quand c'est dans une boîte, tu sais, un assortiment de chocolat et t'as ce petit truc là. Bah... Il y a vraiment des gens qui aiment ça. Truc à la liqueur. Je crois que j'ai jamais rencontré une personne de ma vie qui aimait les chocolats à la liqueur. Ouais, ou alors ils se cachent. Ouais, ils ont. Je pense qu'ils se cachent un peu aussi. Moi je pense qu'ils doivent avoir des très très bons comme tout. Alors que le mon chéri, tu vois, c'est comme la qualité, mais tu vois, c'est du truc comme industriel assez. Voilà. Ouais. T'as peut-être des trucs mieux. Non, mais certainement, hein, mais t'es. N'empêche que j'ai toujours pas rencontré des gens qui aiment ça, quoi. T'as la douceur du chocolat, tu vois, même si c'est un peu amer, et d'un coup t'as la. Puissance alcool. Donc on va voir si on va se plonger le mon chéri du côté de Cure. Ouais. Ah, en tout cas, petit drop là, on va aller décryper. Vas-y, décrypte là. Crédit scan, oh. Encore. Tu peux encore scanner. Ah, j'avoue, c'est pas suffisant. Ça a avancé à vitesse grand V. Aïe, il perd quand même un bon tiers de son effectif. Ouais. Et là, c'est quand t'as un creep de ouf, en fait. T'as la queen qui revient. Et dans tous les cas, en fait, t'avais déjà le creep qui enfermait l'endroit qui a été décrypé. C'est énorme là du côté de chez Linox, cet opening. C'est mon futur build order. À moi. Là, le map control là, qui est très très bien récupéré pour le joueur Zerg. Et du coup, on va pouvoir se permettre de dépasser la moitié de la carte. Les Zergling qui vont contact les bending. Non, pas de connexion de bending. On va remonter dans les Medivac. Il y a un Marines qui sera tombé au champ d'honneur. On va retourner auprès du reste des petits copains. On va aller soigner, voilà, de les lions, du Marines, quelques mines en préparation. Bah, tout ce qui est plus classique, pas tant dans le match-up. Et effectivement, pour l'instant, tout va bien. Et du coup, je m'inquiète en fait, parce que tout va bien pour le joueur Zeri et pas pour le joueur Terran. Là, t'es dans la phase où le creep qui a avancé de côté, il y a la B4 qui est posée sur le combat. Il manque encore les 75 drones. Là, on est qu'à 66, mais c'est le palier. C'est le palier. Va falloir trouver une. Oh non, il est déjà en train de contre-attaquer l'Inok. Il est insupportable, le type a déjà le speedbait. Ah, le cauchemar. Le cauchemar. Ouais. Ok, transformation cocon. Mm-hmm. Il y a quand même pas mal de choses là. Hein. Pour Cure, ouais. Est-ce qu'il peut vraiment arriver à prendre de vitesse? Ah, le truc, c'est comme le creep est extrêmement avancé, il va le voir de très loin. Ok. Ok, bah du coup forcément c'est le feu vert hein. Pour le joueur Zerg, on va pouvoir entrer sur ce bunker. Ouais, sans problème, ouais, chercher directement les VCS. 3 déjà de tombés. Ouah. On les mine. On essaie de les faire tirer, mais les Elbat en fait détruisent les Zerg trop vite. D'ailleurs on a tué quand même 8 ici. Oh god. Ouais, Elbat, attention. Mon chéri. Oh, 9 VCS qui sont tombés. Pour ouais. L'instant là, cette escarmouche qui se prolonge. Ouais. Et là, l'encerclement, on arrive de tous les côtés ici. Le free defire ici. Et le clean qui est fait, le fameux couloir. Le cauchemar est bien réel. Et pendant ce temps-là, creep is coming. Waouh. Franchement, le Linok que l'on attendait. Ah, Linok qui est nickel. La micro-gestion des Zerglings pour déclencher les mines et essayer d'emmener le shot. Dans les Marines, c'était vraiment brillant. Par contre, ça c'est moins brillant hein, de rester ici. Je suis d'accord. Okay, ça va, là, c'est moins brillant. À 12 secondes près. Alors, Linok, faut quand même dire 2016. Si tu devais résumer l'année de Linok en un seul mot, ça serait Overgrowth ou Luxurious. Okay. Le mec n'a eu que pour seul job de jouer cette carte-là quand elle sortait en Pro League. Rien d'autre. Ok. C'est voilà. C'est horrible. Bah on voit la maîtrise qu'il a en tout cas. Ouais. Map. Mais bon, du coup, c'était la blast parce que c'est l'un des joueurs les plus cool de la scène et voilà. Il n'était pas assez fort pour se mettre au niveau genre des top players et d'aller affronter n'importe qui. Donc c'est toi, tu vas jouer cette carte là. C'est tout. c'est tout. Aïe. Écoute, on va espérer qu'il puisse taquer une grosse perf cette année pour pouvoir faire d'autres choses l'année prochaine. J'imagine même pas sa tête quand il a vu qu'elle a été ajoutée au line-up officiel. Il devait être la mode. Oh, lui chute.
I'm gonna be pro again. Et ça serait tellement énorme qu'il gagne la GSL sur, sur cette carte là. Bonjour. Bonjour, c'était le bus. Oh là là là, les bannis qui ont eu le temps de trouver la connexion sur le bunker. Qui vient de sauter. Allez, les Ulic qui vont claquer sur round. Est-ce qu'il y en a suffisamment? C'est un oui. C'est un petit oui, mais ça reste un oui quand même, puisque derrière ce sont 13 VCS. Ouh. Qui vont rejoindre le site qui a 14, c'est pas terminé. Est-ce qu'on peut monter? On peut monter les enchères. Je dis 15. Oh là là. On s'arrêtera à 14. Oh mon dieu. On se fait clic de tous les côtés ici. Voilà, c'est la chasse. On va choper les medivacs qui sont pleins. On va choper les medivacs full. L'Inok qui met beaucoup trop de rythme dans cette game. Le Terran qui n'a pas l'occasion de jouer. Waouh! Oh là là! GG! Oh! L'Inok. Impérial dans le match-up. Franchement. Allez, on va purée! Oh là 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 là! Je t'ai pinning frappé, mon gars! Ouais. L'Inok là qui peut être fier de lui. Grosse game. Ouais. Grosse game. Énorme. L'Inok. Franchement, retour de la GSL, ça fait. Mais ouais. L'Inok, un ouf! La GSL qui fait plaisir, qui régale. Demain, on aura encore blinde de TVZ. Puisqu'on a Biol, Lozira pour les Zerg et Anteran. On a Forte et Innovation. Ça sera tout aussi excitant. Puisque maintenant, bah, c'est parti. Donc, go, GSL, bien sûr, les Nation War 4. C'est quand même samedi avec les coureurs. Innovation, justement, dans la place. Oh là là, ça va être fou. Ouais, comme je vous dis, hein, voilà. Sur le canapé Underdogs, demain, enfin samedi, on cale Innovation ou Zest ou SOS dedans. Ça va être beaucoup trop swaggy. Ça va être beaucoup trop bien. Voilà. Parce que tu vois, t'as l'event que tu fais, par exemple, t'as la Dreamhack Tour. C'est cool, tu vois, tous les joueurs ils sont là. C'est pas chez toi. Là, c'est chez nous. T'as tout le gratin. À la maison. Autour peut-être d'une raclette. Je sais pas ce qu'on va se faire comme bouffe. On fait une bouffe de malade mental vendredi. Je sais pas ce qu'il vendredi fait. Ouais. Ah, j'ai regardé le menu. Il y a des petites choses sympas. Hein. Ça part sur un petit café Martin des Familles. Ça va être. J'ai vu du lame à la crevette, entre autres. Il y a un truc prédéfini ou on va le. T'as un vote où tu choisis. T'as deux entrées au choix, deux plats au choix. C'est où ? Tout ce qu'il faut. Tu l'as pas dans tes mails ? T'as un doodle dot dans tes mails normalement, Yogo. Je n'ai pas vu le regard, qu'est-ce que tu fais? Où est la bouffe? Bah sinon, je l'ai peut-être vu. J'ai quand même... Ah, c'est possible, je sais pas. Tiens, je peux dire. Me mets la pression. Ah voilà, merci. Mais je l'ai pas vu ça! Eh oh! Voilà, merci. Eh oh! Eh oh! Regarde si je suis dedans, scroll! Ah non, faut peut-être se valider. Tu t'es pas. En fait, faut que tu te mettes. Tu vois, par exemple, moi je suis parti sur un choix. Vite, on va sur un choix de petite rillette. Attends, de vas-y, présente. Nem de chèvre. Avec un cheeseburger Martin à la V1 et un petit moelleux au chocolat, tu vois. Risotto d'asperges, moelleux, tartelette aux fruits. Ouais. J'avoue que le risotto d'asperges n'a pas eu un franc succès. Il n'y a que Rambo qui a un peu craqué son slip. Il aime se détacher du groupe. Ouais, tu vois, en mode hipster, quoi. Ouais, le hipster boy. T'es tout le reste, c'est 50-50. Ouais, mais j'ai solide. Rillette de lièvre ou nem de chèvre. Nem de chèvre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nem de chèvre, je pense que c'est un nem au fromage de chèvre. Bah ouais, mais. La transition, tu sais, tu fais la GSL et après t'enchaînes sur des nem de chèvre. Ouais, peut-être la rillette. Mais après, faut qu'il y ait du bon pain parce que sinon t'es un peu blaze. Ça va le faire, t'inquiète. Ça va être de la bête. Je ramène ma baguette. Oh là là là. Risotto d'asperge. Ah, j'avoue que... Oh la blague. Tu me laisses le choix. Bon. Moi de toute façon, mon leitmotiv, c'est le gras et la vie. Donc à partir de là, d'ailleurs, ça se voit. Hein. T'es quel que c'est de justifier parce que le cheeseburger, c'est une tuerie. Ou parce que le risotto d'asperge, c'est de la merde. Hein. C'est peut-être ça aussi. Par défaut, tu prends pas ça. Risotto, c'est très bon. Mais d'asperge. Ouais, non, mais écoute, j'irai en piquer une petite fourchette dans l'assiette de Yata et puis on vous donnera le retour en live, voir si ça va le coup ou non.
Ah là là, c'est ça. En tout cas, cette journée de GSL ah, mon Dieu. Est terminée. On a eu des rebondissements. On ah, vous rappelle peut-être les qualifiés. Mais oui. Alors, les qualifiés, Dark premier, 4-0 dans son groupe, finaliste de GSL, champion Star League l'année dernière, le mec que tout le monde attendait, champion de la BlizzCon. Mm-hmm. Bon, il a failli sur la seconde marche du podium, face à Pion, mais c'était déjà énorme. Là, 4-0, donc le mec n'a pas perdu de sa superbe. Et l'Inok, qui revient au sommet. Après une année 2016 comme beaucoup de joueurs, mais genre inexistant. Le mec inexistant à part sur une carte en Pro League. Là, il revient. Belle intra, prod by dans tous les sens, Mutalis Control de ouf. Franchement, c'est le meilleur niveau de StarCraft en fin de retour. Et on vous rappelle, à 99% coréen, il y a Scarlett. Il y a Scarlett dans les parages. Et alors, pas trop. Et alors, juste pour vous rappeler dans quel groupe elle est, parce que j'ai pas envie de raconter de la merde. On a tellement de choix qu'on a appelé la GSL. Allô ? Il falloir décaler son groupe parce qu'on a les National War 4. Ça a été le grand moment de panique. Et on leur a mis. Il y a eu le coup de pression. Ils n'étaient pas très contents, visiblement. Mais au moins, on a et ils l'ont fait. Truc. Groupe F. Munsic, Alive et Classic. Voilà. Donc, limite, en fait, tu peux montrer mon écran. Ça, c'est nos spoilers. T'es sûr ? En fait, il y a juste celui-là. Toi, c'est combien de jeux ? Ok, ça va. Voilà. Donc, ça. Pam, 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 pam. Ça sera fait donc la semaine prochaine, hein, vous voyez, le 26. Ça aussi, Bion, Dergeling, Stat, Ryung, TY, Armani, Trap Solar, c'est ce qui nous reste. On fera un peu de rattrapage, mais ça, c'est ce qui nous reste qui n'a pas encore été joué. Et puis après, vous voyez, la poutrance infinie, évidemment, de ce tournoi. Voilà. Je te remercie d'avoir été là, mon cher Eli. J'espère que tu as kiffé ce StarCraft. Est-ce que tu passeras à nous dire bonjour aux Nations Noires ? À voir. Certainement, okay. Mais okay. J'ai pas envie de ça va être la faire des promesses que je ne pourrais tenir. Voilà. Ouais, ça va être lourd. Ça va être très lourd. Ça va être sacrément lourd. Ça va être sacrément hype. Donc soyez là dès 16h. Hein. Dès 16h. Pas de chichi. Les deux demi-finales, la finale. Et puis voilà, beaucoup de fun. Donc sur ce, on vous fait un gros bisou, merci à Baeva pour la réalisation, bien sûr, merci à vous d'avoir été présents et merci de nous soutenir, voilà, je le rappelle encore une fois, mais la GSLOA ce sont des droits qui sont payants, donc ça fait plaisir que vous nous souteniez par les subs, via les donations, ça nous permet de récupérer ces droits pour pouvoir poutrer ensemble et donner des replays à Yogo pour essayer de poutrer en ladder, mais ça c'est encore autre chose, voilà, non, des bisous, ouais, je te laisse le mot de la fin mon cher Eli. Pardon ? Je te laisse le mot de la fin, mon cher. Bien entendu, bah écoutez, vas-y. Merci d'avoir suivi. Merci encore pour votre sollicitude quant à l'avenir de cette chaîne. Ouais. Des bisous partout. On vous dit à bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao, à demain.